paisible. Les dodos et tortues vivaient en harmonie dans une nature luxuriante. Rien ni personne ne venait troubler cette douceur de vivre. Les bateaux passaient au large des côtes et commencèrent à placer cette petite île sur la carte. Jusqu'au jour où un portugais s'y intéressa de plus près. Chamo-me Pedro, mas que venhas mudar o meu nome esta ilha que acabo de descobrir, mas vou continuar o meu caminho para a Índia. Mas finalmente, l'île ne servait que d'étape sur la route des hommes. Il fallut attendre 1598 pour voir les hommes en être en possession de l'île. Traversée depuis l'île Bourbon.
Port-Louis et de nouveaux colons débarquent pour peupler l'île.
Arrêtez, arrêtez, nous sommes venus vous sauver, vous êtes
Les esclaves furent remplacés par des colons engagés venus d'Inde à partir de 1835. Ils étaient placés dans des propriétés, surtout comme laboureurs, et recevaient 50 roupies par mois. Leurs conditions de vie n'étaient guère meilleures que celles des esclaves.
Christine et Julie pour leurs coups de main au rideau et aux coulisses, qui ont fait des longs muscles. Merci à Dany pour sa patience avec notre chorale. Merci à Warren et la maintenance pour les répétitions et l'accrochage des décors et d'être présent ce soir. Merci à Delphine Jacquette pour son aide précieuse dans le montage de notre film que vous avez pu visionner sur YouTube. Merci à Philippe Ramallo et les parents accompagnateurs dans nos sorties. Merci aux parents Valet qui ont eu des ressources inépuisables pour les accessoires. Merci aux parents d'avoir des enfants aussi formidables avec qui j'ai passé une grande année de bonheur.